Bonjour tout le monde, merci en pile parce qu'on est avec nous dans la salle sur Radio Télévision Nationale d'Haïti. Nous comptons rejoindre nous. Là, nous prenons pour nous retourner sur ensemble point qui est actualité pendant dernier jour ça avec augmentation, en fait, ajustement prix gaz dans le pont plan et qui t'a pris quelques temps après et modifié, sinon annulé décision ça. Mais tout avec situation qui gagnait dans en pile zone dans paysan et barricade. Et qui ça qui empêchait circulation faite normalement. C'est vrai, après-midi, il y a des mesures qui commencent à prendre pour nettoyer en pile dans la zone dans la région métropolitaine. Nous avons cité Carrefour, nous avons parlé de Publin, nous avons parlé tout de Delma. Mais au fait, je dis, la question qu'a posée, c'est qui garantit, qui baille pour permettre semaine ça, mais pas même gens à week-end nous sommes vivre là. Là, nous connaissons en pile magasin pillé, là, nous connaissons en pile business dans le pays. Vraiment, les situations pas facile du tout pour eux, en pile vite machine perdue. Là, les fondamentales, les de bon temps pour que l'autorité dit mais qui ça prend le fait pour permettre la vie reprendre correctement en d'un pays et qui condition tout cap créer pour que les gens qui perdent du business, les gens qui choisissent, tout qui envie continuer et qui activité capable de faire sans trop grande difficulté. N'a pas souligné le président républicain Jovenel Moïse qui a adressé la nation hier soir et là, et côté les confirmer, on fait encore, il a capé sous ajustement pour gaz dans la pompe. Il m'a dit population pour entrer la calibre de l'annoncer ensemble de l'autre mesure de projet que l'administration là continue à faire. Dans l'idée, selon précision, dans le cadre d'un message à la nation, ça pour améliorer les conditions de la vie mondiale. Pour nous parler de tout élément, ça y est, nous avons recevoir Asroya sous RTNH, porte-parole et puis conseiller en communication de la présidence, Joseph Lucien Jura. Et c'est lui qui va aider nous comprendre ensemble de dispositions et puis très certainement retourner sous grande ligne discours président Jovenel Moïse fait nous dit samedi soir dans le cadre d'adresse, ça qui était très attendu. Monsieur Jura, son plaisir pour nous recevoir sous RTNH. Bonsoir, c'est Eugène Lindor et c'est avec même plaisir que je retourne sur le prestigieux plateau de Radio et Télévision Nationale d'Haïti. Je salue bien évidemment le courage et tout le staff, le directeur général qui ont même été mobilisés malgré les situations extrêmement difficiles ces derniers jours. Et puis bien évidemment, tous les fidèles auditeurs et téléspectateurs qui ont gardé nous dans ce moment ça et qui ont écouté nous également. Mm-hmm. Au niveau de la présidence, comment vous comprenez ce qui a passé dans le pays? Depuis vendredi. Je pense que dans l'intervention que j'ai fait hier soir, justement en direct sur Radio et Télévision Nationale d'Haïti, le président pays a été exprimé clairement, fond pensée, côté que l'été déploré, Zach qui passait dans le pays, côté que en pile, monde perd du business, il y a des gens qui perdent la vie. Il y a des gens qui sont victimes, soit qui prennent balle, qui prennent coup de roche, qui ont des machines écrasées. Nous n'avons pas besoin de parler d'entrepreneurs, businessmen qui ont même en pile là-dedans, que ce soit l'hôtel ou bien concessionnaire de véhicules, l'autre magasin qui boulait. C'est l'occasion encore une fois pour la présidence pour que les voyez sympathie les victimes, pour que les témoignent sentiment de désolation par rapport à tout le monde qui est victime d'une façon ou d'une autre. Et bien évidemment, les entrepreneurs qui ont même été subis plus gros dommages à travers une quantité d'entreprises qui ont même qui boulaient, qui pillaient tout. Donc, propos président, tel que l'était exprimé hier soir, c'est des propos de désolation par rapport à ça qui passait, mais de condamnation tout. Parce que si nous voulons rester dans le cadre un schéma démocratique, nous sommes d'accord que revendication, c'est un droit constitutionnel qui non seulement garanti et reconnu par la Constitution haïtienne, mais également convention internationale que Haïti lui-même les ratifie. Mais écoutez, l'on parlait de revendication, bon gens, bon cadre, il doit faire. Est-ce que vous pouvez, est-ce que nous pas éviter tout ça? Et il y a des gens qui pensaient que ça était qu'à éviter. Il y a d'autres qui pensaient que faut que nous allons là. Il y a des courants de pensée et d'approche différentes qui étaient au niveau du pouvoir. Est-ce que ça pouvait être évité? Peut-être. Si tu as l'autre considération, mais pouvoir là, en fonction d'un ensemble de paramètres, il pensait que c'était la décision à prendre. Maintenant, si nous considérons les faits en soi, on décision que l'administration Moïse Lafontaine prend, population exprimée
insatisfaction par rapport à lui-même et qui attitude que pouvoir lui-même est adopté par rapport à expression populaire ça. Eh bien, c'est ton attitude de sagesse nationale, de sagesse politique, côté que moins de 24 heures après décision, hein, par rapport à expression de mécontentement populaire ça, eh bien, chef l'État, lui-même, gouvernement, retourner sous décision. Alors, nous pourrions parler de ça que t'es gagné comme problème, comme mécontentement qui est exprimé, etc. On a dit, pour tout peuple haïtien, langue et dents faites pour cohabiter. Mais ça n'a pas empêché que, souvent, langue saigne parce que dans le modèle. Mais dans l'intérêt quoi pour bonne santé et fonctionnement quoi langue et dents yo cohabiter net aller parce que yo obligé entendre et si nous faisons une comparaison par rapport à ça qui passé hier là souvent peuple qui nomme des dirigeants pour diriger le dirigeant qu'on prend des décisions côté peuple pas retrouver là d'ailleurs tout à fait mais comment ça se passe là le population exprimer insatisfaction. Gon bagay qui fondamental là-dedans, c'est qui réaction dirigeant yo, autorité yo. Est-ce que c'est des dirigeants matador superbes qui ont même prend décision yo et puis j'en passe le passé ou bien est-ce que nous gagnons dans tête l'état des monde, des autorités qui conscient par rapport à une expression de mécontentement populaire et puis qui ont même jugé bon rétracter retourner sur décision ça. C'est exactement ça qui passe hier et chef l'état dans intervention que elle t'a fait, il t'a montré que en tant que chef de l'État, il est là pour assurer que chaque haïtien vive dans la tranquillité et dans la paix, leur administration là rentre mesure ça. Pour qui raison gouvernant yo avec gouverné yo obligé entendre yo, c'est parce que c'est dans la concorde, c'est dans l'unité, c'est dans l'entente seulement que nous sommes capables de river mettre ton pays sur les rails du développement. Mais donc, on a là, ça, on dit, c'est oui, c'est faut qu'on entende vrai, gouverneur, gouverner, mais on estime tout, faut que nous sommes gouverner, pas mettre en situation difficile. Et on cite un exemple, toute l'argent que tu mettais sous prix gasoline, non, par exemple, 85 gouttes. Alors, et, si pour nous retourner sur ça, on a pour retourner sur ça, pour aller à l'origine de décision, ça, que l'administration Moïse Lafontaine prend, pour nous dire que du fait que le pays d'Haïti pas produit gaz, logique subvention, hein, sont logiques qui quelque part mettait un frein à élan pour voir en place là, dans sa gain comme vision d'ensemble pour le river porter plus de services à la population. Et du fait justement que nous pas produit gaz, subvention gaz là de 2010 à 2018, il a entraîné un manque à gagner pour l'État de 47,7 milliards gourdes. Et rien que sous exercice fiscal 2017-2018, là, arrivé jusque dans le mois de juin, manque à gagner ça, c'était 8,7 milliards gourdes. Eh bien, avec tout ça gagné comme projet, je dis, hein, de développement, que ce soit à travers la caravane du changement, courant pour population gagné 24 sur 24, logique de service, là, qui, d'une part, impliquait taxes citoyens et d'autre part aide prêt à don pays étranger à côté de biens et services que l'État a vendu tout pour capable rentrer cob dans assiette fiscale là dans trésor public là pour capable population service et bien administration place ça tu pensais que voir ça c'était une voie royale était capable exploiter pour arriver non dynamique de porter plus service à la population. Mais pas oublier, c'est pour la population quand même que on travaille, on agit. Et décision ça, qu'elle te prend dans un cadre rationnel, mais qui butait sous, si vous voulez, mécontentement populaire, obligé l'administration
Moïse Lafontaine lui-même fait bac sur. Et c'est pleinement que le président de la République là assume. Le discours, le message de la nation président hier, il soulignait que tu as manqué pédagogie pour te faire mieux comprendre. Bien fondé, décision qui t'a peut-être la cause, réaction, ça a gagné après annonce ajustement prix Gaza dans le plan. C'est soulevé un peu partout, ça qui arrive joindre nous, il faut nous confesser. Et c'est ça que fait me parler de un pouvoir qui assume pleinement dans le cadre et situation. Ça a gagné des gens, je dis, qui disent que ce n'est pas normal oui, que n'a subventionné un produit que nous n'avons pas fait. Que nous achetons qui sortit l'autre bord. Et à la fin de la journée, l'on regarde, ça gagne par exemple comme hémorragie au niveau de la frontière, en pile monde dit, mais il n'est pas possible, vrai, du fait que décalage qui est brillant en Haïti et à l'étranger, notamment dans le pays comme la République dominicaine, que des gens ont profité de subventions de l'État pour être capable de faire beurre. Et chef de l'État a tout à fait raison en ce sens. Mais pour l'essentiel, nous allons retenir que le président de la République, là, lit fait retrait de décision. Hein. Et je dis, hein, Jean t'ai dit hier soir, peuple haïtien exprimé, président de la République là, coûte-t-il. Et ça pour nous retenir surtout, c'est que chef l'État t'a invité population hein, après disposition ça pour lui rentrer la caille, rester dans la calme, pendant que l'appareil d'État dans son ensemble, lui-même, lui recevoir instruction pour que toute disposition il prend pour que la vie normale retourne dans Port-au-Prince. Mm-hmm. Et dans le reste pays. C'est ça. Je dis tout à l'heure, il y a un monde qui parlait de subventions qui fait problème, qui c'est comme un manque à gagner pour l'État. Mm-hmm. Mais il y a l'autre monde qui dit, ben, vu que le gazoline est un produit transversal, automatiquement que l'augmente, il peut avoir une incidence sur la quantité de comptes qui va être dans poche pour nous. Et ça qui est capable de mettre la population dans une réalité économique qui est plus difficile. Et c'est ça qui fait qu'il y a un monde qui dit, ouais, est-ce que nous ne devons pas garder côté de l'État un autre moyen pour compenser le déficit que nous avons enregistré au niveau de l'État, M. Julien? Alors, il faut nous dire, Serginho Lindor, dès qu'il est question, par exemple, de bonne gouvernance, de taxation, pas gagner en priorité auprès de l'accorder en source de revenus en termes de taxation dès qu'il était prévoit par la loi. Toute opportunité, fait pour explorer. Dans le budget 18-19 ans, comme ce n'est pas objet émission ça, mais j'espère que nous allons retourner sur lui, ou après gagner une série de leurs pistes qui ont même exploré pour voir comment l'État est capable de rentrer plus comme dans la caisse pour être capable de porter plus de services à la population. Il faut nous dire que parallèlement à une série d'ajustements sous produits pétroliers ou bien dans l'autre axe qui gagne ligne budgétaire dans le budget 18-19 ans, ou après gagner ensemble de disposition prend tout. Mm-hmm. Tout à l'heure, j'espère qu'il y a une possibilité de parler de arriéré qui était gagné au niveau de la police nationale d'Haïti qui gagné, sous affaire grade depuis quelques temps. Mm-hmm. Le jeudi, on a considéré une série de services que la population a rejoindre. L'hypoco qui a eu accès avec eux, mais logique d'en commander dans tout pays sous la terre que c'est à partir de taxes, de aides, de prêts, coopération ou encore de biens et services que l'État est capable lui-même de faire face à eux-mêmes. Par rapport à la situation, ça, oui, Jean-Chef l'État a été dit, nous rétracter sur lui et gagner de nouvelles dispositions, de nouveaux calculs qui peuvent être faits pour comment la population, mais Mbrazo par exemple, au niveau de ensemble de filières sociales. Et je dis, hein, et réflexion qu'a fait, c'est comment permettre que l'État vienne piper la population en termes de support au niveau social, que ce soit à travers les restaurants communautaires, que ce soit à travers le panier de la ménagère, l'on parlait de EDPEP, de kit alimentaire, que ce soit à travers Timaman Chéri, que ce soit à travers Corée étudiant ou encore Corée paysan, côté que enveloppe qui ont même alloué à ensemble d'interventions sociales l'État, ou après yo amplifié largement, justement, c'est dans le contexte pour capable venir en support à monde qui puis fait mieux. C'est ça la vision du président de la République en attendant sa président relé Boucan Etanboui, en attendant que grand chantier sous relance de la production agricole par exemple devienne fait, parce que nous pas de tête nous mentir journée jodi moyen pour nous sortir
dans une situation extrêmement difficile au niveau économique là, c'est par la production, la relance de la production agricole, c'est dans créer tout bon genre condition de stabilité dans le pays hein, pour que investisseurs viennent investir et ça passe dans deux jours ça yo, malheureusement on parle dans ce sens. Très certainement vous voyez un mauvais signal bah monde qui a investi mais tout bah monde quand vient investir dans pays là on va le tourner monsieur jura sur image ça yo et n'a pas gain très certainement pour voir réaction puisque quand plus monde qui a posé question contre la police hier pour qui ça tout bah ça arrivé fait et pendant et la police était doué intervenu et qui disposition tout pour prendre pour permettre que la vie reprenne normalement après tout ça nous connaît qui arrivé dans pays là nous dit pendant le week-end ça. On a regardé l'image réalité Port-au-Prince, enfin Delmar, Pétionville, avec l'équipe nous, qui était sillonné à plusieurs zones, hein, Delmar, Pétionville, la mi-temps journée. Hein, et on a retourné tout de suite après avec Lucien Jura pour commenter très certainement. Et surtout, son obtenu, c'est qui garantit qu'un bail pour faciliter mon reprendre l'activité, pour faciliter, n'est-ce pas, la vie et continuer dans le pays.
We'll be right back.
Voilà pour l'image qui concernait plusieurs zones. Hein, et nous étions Pétionville, nous étions Delma, nous étions Port-au-Prince, nous bientôt l'image c'était Soleil. Et là, vraiment, c'est une réalité assez triste. Hein, en pile business plié, saccagé, en pile supermarché sous Delma, et saccagé. Nos économies vont débattre. Nos pays, nous pouvons même finir relevé de cyclone Mathieu. Même effet réglementaire de janvier 2010, il est toujours présent. Et puis, mais ça crive nous pendant le week-end ça avec tout le business. Et ça qui va le faire nous comprendre, puis le monde tout le chômage.